Mes chers téléspectateurs et téléspectatrices, téléspectatrices, restez sur côté parce que maintenant c'est à vos mains, prêts et partez dès que commence. Aujourd'hui, il fait le tour du monde grâce à ses œuvres. Pourtant, il était un banal Camerounais au fond d'un village perdu. Issa Niafaga apporte une expérience qui montre que l'art peut réellement contribuer au développement. Issa Niafaga, c'est un artiste camerounais qui vient d'une petite localité dans le Mbamekim. Et d'ailleurs, je vous invite à me suivre. He never forgot where he came from. And I think that's a big lesson that all people, young and old, should know or remember. Mon père m'avait toujours dit tu ne seras rien parce que je ne suivais pas une théologie comme il la voulait, mais un jour je me suis arrêté, je me suis dit je veux devenir quelqu'un. Et voilà, c'est l'homme que je suis devenu. On est arrivé un peu tard et le taxi de bus qui doit nous prendre est déjà parti. Et donc on a trouvé un relais parce qu'il y a le bac à traverser. Et donc le taxi de bus s'est avancé parce qu'il faut attendre 2 heures au moins pour traverser le bac. Donc ils ont pris l'avantage du temps. Et là on est en train de négocier avec ce taxi pour qu'il nous amène au bord. Ensuite on va retrouver le taxi de bus qui va nous amener en Ditam. On se trouve sur le bac de Guérima, donc c'est à 15 minutes de Bafia, à peu près 15 km. Et déjà on rencontre le sous-développement parce qu'ici il n'y a pas de pont depuis des années. Donc là on a derrière moi les taxis de brousse, donc ce sont les taxis de brousse qui aident un peu les populations à se déplacer dans la région. Bon, il y a aussi les mototaxis et puis on a des gens qui vendent à manger, la nourriture locale. Donc vous voyez que tout le monde est assez convivial ici. Et comme il n'y a pas de bac, du tout, enfin il n'y a pas de bac pour l'instant. Souvent on traverse par la pirogue. Donc la pirogue c'est un business. Comment vas-tu? Ça va, mon frère. Ça va, content de te voir. Je suis revenu. D'accord, je suis au travail. Oui. Il faut attendre 2 heures ici avant de traverser parce que la traversée elle est payante pour les voitures, mais elle est gratuite pour les individus. Donc on a toujours attendu ici avant de traverser. Et ça n'a pas beaucoup progressé, mais bon. Contrairement au confort dont il a l'habitude, l'artiste multidimensionnel est obligé de se plier aux exigences de la route de son enfance. On voyage un peu à l'air libre et on va appuyer qu'il ne pleuve pas. 21 personnes dans ce véhicule de 5 places, c'est peut-être une caricature d'un autre genre. Nobody is an individual, but everybody is connected and that we don't exist without other people. So something that Issa's art brings is that is connection between people. Bonjour. Bonjour. Comment tu as dormi?
Bien, assez bien. Mais je ne suis pas encore arrivé en Dita. On est encore en route. On a été obligé de dormir parce qu'on ne pouvait pas traverser. C'est un peu comme ça, hein, cette vieille tradition ici qui veut que chaque fois qu'on voit le voyageur, qu'on puisse lui offrir son dîner, et puis de l'eau, et puis la place pour dormir. Donc on a vécu ça hier. La mésaventure se poursuit, encore poussée pour avancer. Vous n'aurez peut-être pas toutes les images puisque le preneur de vue doit donner un coup de main. Il faut bien arriver à destination. You don't forget where you came from. And if you came from poverty, you don't forget that. And you try to give something back. Because, you know, if you've escaped poverty, you're lucky. And now I think we owe something to those who are still not getting out of the poverty. Ça va bien? Ok, merci. On a dormi en route. Mais... Ça va, Mendia? On m'a dit que 5 enfants sont restés à... Oui, on a vu ton père. Ça, c'est ma belle sœur. Éléphant, ton mari est où? Oh non! Il n'est pas là. D'accord. Maintenant, là, tu es ma sœur. Ça va? Tu es ma sœur. À la base, il n'était pas caricaturiste. Il l'est devenu. Il a appris à devenir. La deuxième, c'est qu'il a vécu, comme nous tous, la répression de ceux qui ne savent pas rire, ceux qui ne considèrent pas la caricature dans sa dimension humoristique. C'est le salon, c'est un peu le village. Hein. Donc on ne va pas se formaliser. Voilà. Monsieur n'est pas là, ça c'est chez mon petit frère. Donc il n'est pas là, sa femme, Zenabou. Comment ça va? Assieds-toi alors. Ici, je n'ai pas de problème majeur. Donc, pas de stress, pas de bruit de la ville, la musique qui tône un peu partout. Donc ici, je peux faire la sieste quand je veux parce que dans la journée, le village est calme, donc tout le monde est au champ. Vous voyez très bien que la terre est rouge, donc c'est un peu comme le sang qui coule dans mes veines. Yeah.